Moi, j'ai quand même, voilà. Redstone j'ai et quand tout. même la fleur de Crawling Flesh avec moi. Hein. Peut-être que ça va me porter bonheur. Ouais, wow. T'es chanceuse, Izzy, t'inquiète. Ouais, Castor, faut se faire du mouron. Enfin, quand même, ouais. Ça deux va être une équipe torchée, qui, tu vois. Deux chefs d'équipe qui se font respecter et qui sont assez ordonnés, donc c'est assez sympa à voir. Et pour vous aussi, spectateurs. Spectateur. Donc on va lancer le départ. Dès que les deux chefs d'équipe sont officiellement prêts, c'est parti. Bah pour moi c'est bon. Ok. Inter-Unity Dans ton cul. C'est bon. Voilà. Nous avons le t-shirt et le cri de guerre d'un côté, donc... Le match à mort débute. 3, 2, match à mort par équipe. 1, c'est parti. Go, 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 ninja, go, go. C'est le petit clin d'œil à Tortue Ninja, le film. Trop de mémoire, déjà, à gauche et à droite, c'est qui? Comment ça? Ah, à droite, c'est Sphereville, et à gauche, ah, oui, oui. C'est Inter-Unity. Donc, oula, c'est parti totalement différemment. Personne n'a pris le même chemin. Nous avons quand même l'équipe de droite qui a une légère avance, ouais. Mais ils sont concentrés. Par contre, l'équipe de crawling, je ne dirai rien, vous voyez. Ah merde. Ok, on est dans la merde. N'oubliez pas de mon côté, vous êtes banni du serveur. Vas-y, réappuie dessus. Ah. Ouais, c'est bon. Nous avons l'équipe de droite qui est passée au deuxième participant. L'équipe de crawling se débat hein, par tous les moyens possibles. Hein, c'est le plagiat qui paye. Hein. Fandom, tu creuses au moins. Bah oui, je creuse. Ah oui, il creuse. Hein. Allez, ça, Castor, vas-y. C'est ton métier, ça, Castor. Vas-y, c'est ton métier. Creuse. En tout cas, ce qui est bien, crawling, c'est que ton coéquipier va causer tous les blocs avant de jouer la sortie. Donc. C'est sympa. Trop fort. Ah, attends. Ah, l'équipe d'Izzy. Oui. Ah, ça y est. Ah, troisième joueur. Plaque. Oh lolo. Plaque, vas-y, tank. T'as fait une sélection. Je trouve pas. Le troisième concurrent est parti. Exactement. Du côté de l'Inter-Unity, ils luttent un peu. Ah non, mais ils partent dans les coins. C'est la perle. Nous avons la perle de l'émission. Ah, bah là. Il a creusé pratiquement 90% des blocs. C'est vraiment exceptionnel. C'est que les participants de Crawling ne vont même pas participer à l'épreuve. C'est surprenant. Non, t'es bien passé par là. Quoi. Oh merde. Allez-y. Non. Izzy est parti, nous avons le... Putain, la ligne droite. La ligne droite, Izzy. Vous êtes sûr qu'il y a des packs de pression là où je suis? J'ai tout creusé. Ah, nous avons une émission qui est belle. Ça c'est beau. Ça. Non mais il y a de la travail. Ah oui. Ça y est, Alex. Oh, j'ai trouvé. Allez. Allez, vas-y. Alain, t'as intérêt à faire Flash Gordon. Hein. Ah là, ouais. Moi je suis à Super Saiyan. Hein. Vas-y, mode Super Saiyan, là tu défonces tout. Ah, ici à environ 7 blocs de l'arrivée. Oh, allez, putain. Allez-y. Ah, je croyais que c'était pas là. J'ai eu peur. Attention, moment de vérité. Attention, restez bien sur les barreaux. Ouais, l'équipe de Sphereville a gagné. Nous avons Crawling qui a fait une dépression. Bien joué, les gars. Ouais, je crois. GG à tout le monde. GG tout le monde. GG. Je demande revanche. Chapeau. Hein, you Crawling. Nous avons quand même. Il est parti sous train de poil là, ça. Non, on va quand même laisser les participants faire l'épreuve, hein, même si. je suis sûr que Nitz et Crawling. Crawling, tiens, je te donne ma fleur. Il ne parle plus. Hein. Qu'il est mignon. Et se sont jetés mignon. Par la fenêtre. Bah, je peux pas te la passer. Salut. Par là. Non, c'est vrai que voilà, bah, il est... bravo à Sphereville. Et malheureusement, de toute façon, rien n'est perdu. Hein.
Tout si vous voulez, je fais une distribution de cordes à la sortie. Volontiers. Bah GG à nous et GG à vous aussi hein, quand même. Hein. Nous avons Nice qui se débat de tout ce qu'il peut. Hein. Il ne peut pas faire exploser vu qu'il y a de l'obsidienne. Mais... Non, en fait, j'ai géré hein, sur mon truc là. De la bedrock. Axel, bah, je te laisse expliquer les règles. Alors, c'est simple. Vous allez tous vous mettre en tôle. Voilà, vous êtes en prison. Une équipe à gauche, une équipe à droite. D'accord. Un joueur de chaque équipe reste avec moi. Oui. Donc celui qui va passer en premier, en fait. Alors, le but du jeu, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Oui, c'est simple. Oui, c'est simple. Ah, bah, carrément. Je cherche mon mot du côté. Ouais, donc vous allez avoir des pistons qui vont soulever sur votre passage. Le but c'est de sauter de piston en piston pour atteindre la fin de l'épreuve en fait. Tout simplement. Ok. Là, y a un et le joueur tout simplement. Qui reste avec toi, il fait quoi? Ah, c'est celui qui va jouer en premier en fait. Donc c'est ça. Voilà. En fait, c'est en un gros, peu le même principe que la fourmi. Enfin, pour ouvrir aux autres qui sont en prison, qui seront emprisonnés pendant que le gars concourt quoi. À la fin de l'épreuve. La plaque de pression qui lui permet de terminer l'épreuve, qui lui fait passer une porte, elle ouvre aussi la porte de la prison au début. D'accord. Donc ça, d'accord, ouais, okay. Ouais. Dit comme ça, je sais pas si vous avez compris. Donc en fait, vous faites la même épreuve, sauf que vous partez un par un, dès que la personne vous a ouvert la porte. Donc c'est à vous de décider qui passe en premier, les meilleurs en premier, les moins bons en premier, pour être sûr. Donc... Voilà, okay. Et quand celui qui a terminé ouvre la porte au prisonnier, un seul à la fois, quoi. Un seul sort à la fois. Ouais. Okay, déboulez pas tous comme des hippopotames. Hein. Donc le mieux, c'est que le deuxième à passer, par exemple, il s'apprête à... Il se met devant la porte, tout, voilà, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Mets-toi sur le... là, Gabriel. Tu vas passer après. Ah, salut les amis, voilà. Salut. Je vais gagner. Final, tu passes en deuxième. Après toi, écoute, perdre. Nid, c'est la voie de la sagesse. Bon, la technique, je vous dis vite fait, la technique, c'est de passer assez rapidement sur les plaques de pression et de sauter directement après. Wow. Vous courez sur les plaques et vous sautez. Voilà. Ok. Oh. Donc, est-ce qu'une équipe a mis officiellement son joker juste pour oui. Être... Alors, ouais, attends, oui. Je vais placer le joker, voilà. Et donc, est-ce qu'on va s'en souvenir on va placer le joker ou pas? Vous pouvez passer en même temps. Hein, si pour la sphère. C'est vous qui choisissez. Pour la sphère. Okay. Ouais, c'est vous qui voyez. Ouais. Okay. Donc, l'équipe de crawling peut doubler ses points. Et l'équipe de sphère vide peut les empêcher, donc ça va être... Donc pour l'instant, on est à 2-0 pour sphère vide. Et motivé, ouais. Hein, les gars. Oh oui, ouais. Oui. Allez. Ouais, ouais, les secondes... Enfin, motivé et bon aussi. Les possible. Secondes se préparent derrière les portes. Tout le monde est prêt. Je me sens pas du tout visé. Oui. C'est parti. Axel, je te laisse lancer le top, hein, vu que c'est ton épreuve. Ok, bon bah allez, si tout le monde est prêt, je dis 3, 2, 1, partez. Attention, les deux concurrents s'élanchent. Allez, Crawling, t'es en tête. Ah, Crawling, c'est une horreur. Ah, dommage. Putain, c'est chaud. En plus, on a deux personnes assez bonnes, hein, Crawling. Mais vous avez le premier passage est le plus difficile, hein, le second c'est yes, Crawling est passé. Crawling, ouais. Putain, je lag. Prends ton Crawling est passé. Ouvre les gars. Non, toi. Quand vous arrivez à la fin, restez un petit peu sur la plaque de pression, le temps que le deuxième soit descendu. Comment il enchaîne ça en mode Super Saiyan là? Oh, l'équipe de crawling! Allez, Gawelian! Allez. Voilà! Yes! Oui! Allez, voilà, joueur! Attendez bien d'ouvrir aux autres persos qui sont derrière vous. Ouais, t'as pas... Allez, Fine Dodd! Prends vraiment sa revanche. Allez, Fine Dodd! Tu l'as pas ouvert à... Tu l'as pas ouvert à tant qu'avec un... Oh putain! Ah, désolé. Rush à mort, Fine Dodd, c'est vrai. Vraiment ça ouvre rejouer. Pas, ouais. Ça ouvre pas. Saute, continue le jeu. Non mais Béga, c'est la fin. Ouais. T'es pas à la fin là. Ah d'accord, c'est pas mort. Allez, Fine Dodd. Ah, vas-y, saute. Avec c'est passé le deuxième. Saute. Putain. Yes. Oh, yeah. Allez, Nitz, vas-y Nitz. Rush. Hallucinant. Oh là là. Voilà, c'est une déculottée, j'ai l'impression. Ah bah chacun son tour. Voilà. Béga est passé, rien n'est perdu. Allez, tank. Désolé, mais... Ah. Non, bah, c'est pas grave, de toute façon. Mais Nitz, t'as fait du truc comme tu... T'avais fait un terrain exprès pour ce genre de truc. Nitz, ça le stresse. Ne le regarde pas, tant. Nitz a du mal. Ah, putain. Allez, Nitz. Nitz rush comme un porc, hésite pas à rusher.
passe pas sur les plaques avant de, enfin faut que tu passes juste avant de sauter, hein, pas attendre sur les plaques deux heures, hein, au début. Ouais, ouais, le mieux c'est de se mettre sur le truc blanc derrière les plaques et courir d'un seul coup et sauter, quoi. Courir, sauter, ouais. Courir, sauter, vas-y, prends. Allez, c'est passé. Oui, c'est ça. Allez, c'est passé. Allez, c'est passé. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Yeah. Yeah. GG. Bah, au pire, je vais terminer l'épreuve quand même, hein, si vous voulez. Si vous voulez. Donc, officiellement, l'équipe de crawling remporte 4 points. Donc, ils prennent l'avance. Et ils ont mis leur joker en, en jeu. Au bon moment. Attends, voilà. Izzy, le mieux c'est de te mettre derrière les plaques de pression, courir et sauter quoi, direct. Te mets pas, passe pas par les plaques de pression avant. C'est vrai que l'équipe de crawling a été assez bonne. Elle a recruté un peu. Voilà, vas-y, réflexion. Attends, cours. Oula, j'ai eu un lag. Problème des fois que c'est que ça lag. Ah ouais. Ouais. Avec les pistons. Le serveur ne lag pas. Dans les pieds, des fois. C'est totalement impossible qu'il lag. Ça me paraît bizarre. Bah t'as le cube qui te reste dans les pieds en fait. Non, parce que moi je filme avec Fraps. Presque. En OpenGL, tout au max. J'ai Skype, Bundle, je télécharge en même temps. Et j'ai 70 FPS par seconde. Voilà. Nickel. Tu filmes là en fait, ouais. Tu l'as pas sorti. Là, j'ai filmé. Comme Macron, là, j'ai relancé la vidéo. Merci. Donc ça sera pour les bots. Bah attends, je te filme. Voilà, ouais, histoire de terminer quand même, quoi. Histoire de... Ouais. C'est vrai que c'était. Allez, castor. Allez, castor. Il y a Mecca qui se tape la tête contre le mur, c'est bon. Bah, rien ne m'empêche d'encourager l'autre équipe. Bah, GG à vous, hein, Mecca. Ouais. Bah, à tout le monde, GG à tout le monde. Oui, GG à tout le monde. GG. Juste une formation, Axel. C'est. Ah non, c'est pas dans cette salle ou est-ce qu'il y a le... L'illusion optique, c'était dans les fourmis. Non. Ah non, oui, c'était la fourmi. L'illusion. Ouais, je sais pas si vous avez. Ça y est, Castor est passé. Vous avez vu en fait, il y a une illusion optique dans les coins de la salle de la fourmi en fait qui est assez sympa. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Là. Pas fait gaffe. Non. Désolé. Moi, c'est pas grave. Voilà. Par contre, comment on fait tout le monde. Comment on sort? Bien joué. Faut qu'il active les plaques derrière. Salut, salut, on se retrouve pour l'épreuve 3. Numéro 3. Le trou de richesse. Ou le trou de Redstone. Il a fallu avoir un dérapage. Ouais. Volontaire, on va dire. Donc non, le trou de mon... pardon. Le trou de mon nom. Non, donc vous allez voir, ça c'est simple, c'est que vous partez en fait dans chaque coffre, il y aura deux pioches et deux bateaux. Donc à vous de vous organiser, il y a un parcours prédéfini, vous partez en bateau ou il y en a qui partent à la nage, et en 5 minutes, ça sera le premier qui ramène le plus de diamants. Il y a des diamants qui sont en bas de la flèche, D'accord. Qui sont cachés un peu partout, donc soit il y en a qui, voilà, il y en a qui part soit en bateau avec les pioches, il y en a qui va peut-être en avance pour repérer les lieux, expliquer aux autres où est-ce que se trouvent les diamants, et en 5 minutes, ça sera celui qui ramène le plus de diamants, tout simplement. Il y aura une grosse flèche. Et c'est un diamant par un diamant. On rappelle, c'est que soit moi, soit Dark, soit Axel, on va se placer en bas des coffres. Et c'est un diamant par un diamant. D'accord. Ok, je vais vérifier le coffre et je vais lancer le chrono. Bah, tu vas de quel côté, rouge ou bleu? Je vais du côté rouge. Ouais. Enfin, j'ai du côté bleu. Donc, et nous, on met notre joker, bien sûr. Ah oui, évidemment. Alors, voilà. Récapitulatif des points. Vibe. Récapitulatif des points, c'est première épreuve. L'équipe d'Izzy a remporté 2 points contre l'équipe de Colin.